Marcher, courir, rouler, à vélo ou même sur le dos, du sport, tu en fais tous les jours. C'est parfois fatigant et certains pensent même que faire du sport ne sert à rien et qu'on pourrait se blesser. Alors, pourquoi c'est important de faire du sport ? Ton corps est composé d'une montagne de muscles, plus de 600. Waouh ! Plus tu bouges, plus tes muscles travaillent et rend ton corps plus souple et plus fort. Et comme tes os sont tenus par tes muscles, ils grandissent au bon endroit et deviennent plus solides. Faire du sport, c'est excellent pour le cœur et la circulation du sang, les poumons et la respiration. Pour trouver de l'énergie, ton corps utilise tes graisses et ton sucre et permet de rester mince et d'éviter quelques maladies. Et ce n'est pas tout. Le sport te permet d'être plus agile, d'être plus précis et d'avoir des sensations corporelles différentes. Tu progresses en faisant des efforts et c'est cool. Tu découvres aussi différentes règles que tu dois respecter. C'est pas toujours facile. Mais quand tu y arrives, tu es content. Ton cerveau fabrique même une potion du plaisir, l'endorphine. Elle permet de lutter contre le stress et la douleur et te fait oublier tes colères et tes soucis. Et comme souvent le sport se pratique à plusieurs, c'est un bon moyen de partager, de s'intégrer et de te mesurer aux autres sans te disputer, avec des copains ou en famille. Il y a plein d'activités sportives à découvrir, sur terre, dans l'eau ou en plein air, où tu pourras rencontrer des gens différents et passionnés. Ils te donneront de bons conseils pour pratiquer ton sport en toute sécurité. Les médecins conseillent de faire une heure de sport par jour. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande, elle, un effort de 10 000 pas quotidiens pour avoir une bonne hygiène de vie. 10 000 pas, ça a l'air beaucoup. Mais tu peux les réaliser en courant, en sautant, mais aussi en marchant avec tes amis ou ta famille, et ainsi rester en bonne santé. As-tu déjà mesuré le nombre de pas que tu fais par jour ? Et plus généralement, as-tu une idée de la quantité et de la qualité de ton activité physique quotidienne ? Alors, es-tu prêt à faire un bilan et te lancer un défi ? Allez, c'est parti ! Réalisons ensemble un premier test. Installe sur ton téléphone ou celui de tes parents une application podomètre gratuite qui comptera automatiquement chacun de tes pas. Active-le quand tu te lèves le matin et porte-le jusqu'à l'heure d'aller te coucher. Enregistre le nombre de pas chaque soir et recommence le lendemain ou durant quelques jours. Tu connaîtras alors ton nombre de pas moyen. Alors, quel est ton pronostic ? Tu es prêt à relever le défi ? C'est bon.